est un magistrat et un homme. Il a commis des erreurs, il a pris des gens et les a mis en prison. Ok, il n'y a pas de souci. Le même Charles qui a mis des gens en prison, lui-même et son patron ont pris le chemin de se repentir. C'est-à-dire de dire que plus d'injustice, plus d'erreurs dans les procédures, plus jamais d'erreurs, la vérité sera pour celui qui la mérite. Maintenant, que je défends beaucoup Charles, toi tu défends quoi? Tu défends ceux qui volent ou tu défends ceux qui veulent poursuivre les voleurs? Dire qu'aujourd'hui, ceux qui défendent Charles parce que Charles a mis des leaders en prison, est-ce cela est une raison, voilà, crédible pour dire que oui, je ne soutiens pas Charles? L'on sait tous que nos leaders qui sont en prison, la majorité, on peut dire qu'ils ne sont pas, voilà, les procédures, la manière de faire des procédures ne sont pas, voilà, appropriées. Mais on ne peut pas dire qu'on sait au fond qu'ils n'ont pas volé, qu'ils n'ont pas pris de l'argent. Personne ne peut dire. C'est la Guinée aujourd'hui. C'est la Guinée, on sait. Alors, s'il y a eu erreur dans les procédures, ou pas erreur dans les procédures, ou il y a eu emprisonnement, poursuite, mais Charles ne faisait qu'obéir aux ordres. Aux ordres de qui? Aux ordres de ce qu'on lui a dit de faire, de poursuivre toute personne, voilà, qui est susceptible à être un criminel économique de notre État aujourd'hui. Et le même Charles prend un autre chemin. Cet autre chemin est quoi? D'essayer de libérer ceux qui ne sont pas coupables dans ces poursuites et de poursuivre les coupables qu'on a eu espoir, les personnes qui sont venues dans la refondation, ces personnes à qui on a eu de l'espoir, ces personnes à qui on s'est dit, et que le locataire du palais a dit et redit que nous allons changer la donne dans ce pays, qu'on va tuer le système. Et en vérité, l'on a tous vu que c'est le système qui a voulu tuer le locataire du palais. Alors, pourquoi un Bernard Gomou va s'opposer aux injections de Charles contre les DAF, contre les directeurs des EPA? Pourquoi? Et l'affaire va plus loin. Pendant tout son séjour à Dubaï, Gomou pas tranquille, Gomou débarque. La première des choses qu'il a eu à faire, c'est de donner une lettre de suspension à Charles. Plus loin, il va s'adresser au secrétariat général du gouvernement, qui va informer le secrétaire général à la présidence. Et le secrétaire général à la présidence va appeler Gomou pour demander pourquoi tu suspends Charles. Gomou répond que je suis le premier ministre, qu'il est sous mon ordre, qu'il a dépassé les limites. Et dans la lettre de suspension, Gomou ajoute qu'il suspend Charles pour erreur de l'impolitesse. C'est-à-dire, eh non, la Guinée fait pitié, quoi, franchement. Que de l'impolitesse. Ça ne peut pas rentrer. Ça ne peut pas rentrer. Que de l'impolitesse dépassée. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi qui regardes cette vidéo, dis-toi, c'est pour défendre Charles ou c'est pour défendre la Guinée? C'est pour défendre ou que ce soit le gouvernement actuel, l'on veut tous que toutes les personnes qui sont coupables de détournement
denier public soit poursuivi. Ou bien, on ne veut pas l'avancement de nos autres pays. C'est ça la vérité. Pourquoi les crocodiles sont à pied d'œuvre pour faire tout pour ne pas que Charles soit reconduit? Parce qu'ils savent que Charles était en train de bien faire. Mamadi sait que Charles était en train de bien faire. Le peuple de Guinée, que toi aujourd'hui tu sois fâché parce que Charles a pris un de nos leaders, il l'a mis en prison. Moi j'ai critiqué Charles dans plusieurs dossiers. Je l'ai critiqué dans plusieurs dossiers. Vous m'avez vu matin, midi, soir. Mais vous voulez qu'on reste dans cette posture-là de critique? Si les gars commencent à se retrouver pour bien faire, poursuivre même les membres du même gouvernement dont lui est issu, pour les poursuivre en justice. Frère, ça c'est une bonne ou mauvaise chose? Ça, c'est une bonne ou mauvaise chose? Mais maintenant, on boit l'eau par nos narines ou on boit l'eau par la bouche? Ok. Charles a mis des leaders en prison. Charles a fait des poursuites. Mais vous savez, en réalité, pourquoi aujourd'hui ce clan Gomu s'est mis à pied d'œuvre au fond pour descendre Charles? C'est une histoire très, 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 très longue. Mais je vous dis et redis que vous aurez les preuves les plus irréfutables que le monde entier va parler. Très bientôt, Inch'Allah. Oui, car les vérités les plus sombres sont cachées. Mais pour Allah n'est pas caché et que ça sera sur la face du monde. Et ça, soit on est guinéen pour aider la Guinée à ce que ses prédateurs économiques soient mis en déroute, ou soit on n'aime pas la Guinée, on reste dans l'esprit de haine, dans l'esprit d'aigri, dans l'esprit de vengeance parce que telle ou telle personne a fait cela, a fait ceci à ma personne. Donc, tant que, voilà, ce n'est pas ça, pour lui,